Salutations, c'est Drexury, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, petite vidéo sur Fortnite, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je suis directement parti sur Fortnite parce que j'avais une panne d'inspiration aujourd'hui, je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur Fortnite. C'est vrai qu'en ce moment, on se retrouve beaucoup avec de nombreux abonnés. Donc, si ça vous intéresse de me rajouter sur mon Epic, donc Drag Survie, The Phoenix, qui est encore The Phoenix, mais dans peu de temps, je vais changer. Je vais voir si je peux changer mon Epic, voir mon pseudo complet, parce que clairement, voilà. En Drag Survie, mais pour le moment, c'est The Phoenix sur la console. Donc, de toute façon, vous connaissez mon pseudo sur la console pour beaucoup. Donc, si ça intéresse pour ceux qui voudraient vraiment jouer avec moi et qui voudraient passer en vidéo, alors, bien sûr, je ferai des lives, pas les vidéos. Les lives, vous serez autorisé à venir, mais que pour une game. Donc, faut savoir jouer, hein. Si vous ne savez pas jouer ou quoi que ce soit, alors je dis pas que beaucoup ne savent pas jouer, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté Fortnite, parce qu'il y en a beaucoup qui, voilà, à cause des builds et puis tout ça. Donc voilà, et je sais que si ça vous intéresse de me rajouter et de jouer avec moi, n'hésitez pas sur l'Epic Game Store, donc sur Fortnite. Donc voilà. Sinon, pour demain, live de 16h30 à 22h, on va commencer déjà par une petite discussion. Je vais voir si ça intéresse toujours les abonnés. Donc Boxy, Mega, Manga Cash, Max, pour être plus précis. Si ça intéresse aussi notre cher ami Puceron, et si ça intéresse aussi d'autres personnes, d'aller sur mon Discord Drag Survie qui sera en lien de description juste en dessous. Voilà, donc on va partir. Alors il n'y a pas le son pour le moment, c'est normal, je vous le mettrai juste après. Alors je vais vous préciser une petite chose. J'ai remarqué que quand j'étais en groupe de chat du jeu de Fortnite, le son des personnes ne prenait pas. Alors moi ça se prend parce que j'ai le micro qui est là, c'est vrai que je comprenais pas pourquoi, et j'ai remarqué une chose, c'est que il y avait un problème au niveau du jeu en fait, et ça fait 2-3 jours ça le fait. J'ai voulu voir avec mon profil, et mon profil bot, on va le dire clairement, pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait c'est parce que il y a comme un bug en fait, je comprends pas. Et dès que c'est dans un groupe, par exemple Xbox, ça va mieux, mais dès que c'est sur la plateforme Fortnite, ça va plus du tout. Donc voilà, donc je vais vous mettre le son du jeu, hein, bien sûr. Donc on va partir pour une petite game, voire deux si vraiment je fais une game de merde. Mais je pense que je ferai qu'une game. Je ferai pas deux games parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Alors je tourne le jour même du vendredi, donc elle sortira un peu plus tard si vous la voyez. Donc voilà, donc c'est parti. Alors je vais peut-être pas me mettre en Harley Quinn. Je vais me mettre, voilà. Déjà ça devrait même pas exister, les bugs comme ça, les bugs basiques. On va se mettre en... Tiens, on menace. Ça va changer un peu. Hop, direction avec menace. C'est vrai que je suis beaucoup avec le mandarin en ce moment, quand je fais mes petits trucs à côté. Donc voilà. Alors il y a des missions. Infliger des dégâts aux adversaires à plus de 500 mètres de distance. 50 mètres de distance. Wow, normalement ça devrait être bon. En 6 jours. Et ils ont rajouté même des défis violets. Oh. Faudra les faire, ça, les défis violets. Donc demain, live, je me répète. Demain, live, 16h30, 22h.
Bien sûr, s'il y a de moins en moins de monde à partir d'une certaine heure, si je vois qu'à partir je sais pas, de 20h, il y a moins de personnes, j'arrêterai le live à 20h. Et puis voilà. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de live pour rien. Alors je sais, bon, pour beaucoup, il y en a qui diront, ah, bah, on regarde après. Ouais. Le truc, c'est que des lives de 6, de pas de 6h, mais de 8, 9, de 4, 5h, c'est un peu long. Donc voilà. Donc Wally Walou. Alors attendez, alors c'est quoi? Ça c'est aller en véhicule de City à Pleasant. Ok. Et c'est quoi ça? Ramener des livres. Ah ouais, voilà, on va aller à City juste en dessous. On prendra une véhicule. Et faudra à Pleasant Park. Je vais mettre un point à Pleasant Park. Comme ça, ce défi sera fait. Alors bien sûr, je vais prendre des armes. Ma Wyvern que j'ai kiff. Clairement, dites-moi, tiens, dites-moi en commentaire pour ceux qui jouent beaucoup à Fortnite ou à... Ouais, pour ceux qui jouent beaucoup à Fortnite en fait, dites-moi lesquels des personnages vous appréciez. Les personnages, les PNJ, les trucs comme ça. Et dites-le moi en commentaire, je voudrais bien savoir. Voiture. Allez, direction.
Non. Ouais, non mais là, je suis obligé. Je suis obligé de m'arrêter. Quand tu vois un lama, tu fais un stop là. Je sais pas si ça va compter vu que je suis descendu. Je sais pas du tout si ça va compter. Hop. Ça va, c'est des voitures de sport, je vais couper. Je pense pas que ça marchait. Ouais. Bon, ça a pas marché, tant pis. Les bottes pour tirer comme ça. Oh merde, elle est où? Ma mère, elle était où? Ah bah, ça n'a pas marché. Aller en véhicule de Sweaty à Pleasant Park. Je l'ai fait. Bizarre. Ramener des livres. Ah, pas des livres. Bah, c'est pas des livres. Ramener des livres de recettes à Pleasant. C'est pas des livres ça, c'est des boîtes de mun. Tu n'es pas un peu trompé dans le truc là? Traîner trop longtemps. Bon, ça se voit que c'est des bottes, hein, clairement. Il n'y a pas à secouer dans la semoule. Quand ça tire comme ça. T'es sérieux là? Tu vas pas tricher là? Bah si, elle a triché. Tiens, bouffe tes morts. Putain, sans déconner. Vous savez que faire ça? Joueur de Fortnite? Jouer en mode kamikaze, gros machin, sans déconner. Je vais le prendre pour pas que les gens le prennent, mais moi je l'utiliserai vraiment en cas de nécessité. Parce que clairement, jouer... puis encore, je sais même pas si je l'utilisais clairement.
Parce que j'aime pas l'utiliser en temps normal. Mais là, ça, c'est vraiment horrible, quoi. Tomber sur un joueur comme ça, c'est dément, quoi. Et en plus, il construit. Je ne construisais même pas, comme vous l'avez remarqué. J'ai pas construit une seule fois, hein. Je suis resté devant lui en mode pépé. Et lui, il a construit. C'est pour vous dire que beaucoup de joueurs. C'est pour ça que les joueurs quittent Fortnite. Parce que bah, quand ils tombent sur un joueur qui sait jouer un minimum, ben voilà. Bon, c'est pas pour vous dire qu'après, dans quelques heures, je serai tombé, mais. Dans quelques minutes, je serai tombé. Mais le truc, c'est que là, tomber sur un joueur comme ça, parce que ça, c'était un joueur. Parce que les bots construisent qu'une fois. Voilà. Puis voilà. Ça, j'ai le point. Alors, ça, c'est le pire, ça. C'est que je meurs, comme je vous l'ai dit, je meurs au bout d'un certain temps. Mais le truc, c'est que les joueurs comme ça, ils font que de se baisser, machin. Faut arrêter. Oh, c'est un jeu, hein. Sans déconner. Il devait pas être loin de sa vie. Je vais juste. Ouais, comment ça? Je vais juste enlever son shield. Oh bah oui. Oh bah lui, ça va être un joueur cancer. Oh bah oui. Oh bah là. Ça va être 100% joueur cancer. Il va l'avoir dans les mains tout le long. Donc bon. Bonne game. 4 kills. On va dire. Top 13, je crois. 14. 13, 14. Bon, c'est pas trop grave, avec 16 minutes de vidéo, pas mal. J'aurais préféré faire plus de kills, pas tomber sur des joueurs cancer. Clairement, je sais pas, certes, on va me dire, ouais, Fortnite, c'est pour construire, c'est pour machiner, machin. Mais le truc, c'est qu'arrêtez, il y en a. Vous êtes la plupart de la communauté Fortnite, et c'est pour ça que les gens vont en bot. Et je suis sûr que la plupart me donneraient raison. Je suis sûr que les plupart qui ne jouent plus à Fortnite, c'est parce que bah il y a des joueurs, ils vous construisent des trucs en 5 minutes. Hein, ils vous font la tour de Pise en 5 minutes. Et pour beaucoup, là comme vous l'avez remarqué, on était 1v1. J'aurais pu faire le gros salaud, sortir le lance-roquette et l'exploser la gueule. Non, j'ai joué la strat. J'ai joué clairement à la trailleuse. Le gars, il a fait que de monter et baisser. Le gars, oh, faut arrêter. Faut arrêter. C'est un jeu. Tu perds, tu perds. C'est tout. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui de retourner un peu sur Fortnite. C'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de vidéos sur Fortnite, à part pour les lives. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Donc voilà. Donc à la prochaine les gens, c'est Drac Survie et peace les gens, c'était Drac.